sisteme ya kuzanguka Eh le <sangler> vumbouke, eh mouningwe, le widu, eh l'outelama. Eh le vumbouke, moningu, eh l'ouidu, eh l'outelama. L'ouvumbouka mouningu l'ouidu l'outelama. Reveillez-vous, vous avez entendu le son. Telameno telama. Telame no telama, levez-vous. Levez-vous, wake up, soyez debout. Parole de Mouta Lukayazu. Donc, euh, mesdames et messieurs, chers Mpangi, chers frères, chères sœurs, vous êtes euh, avec euh, Mikanzi ici qui vous présente euh, cette, euh, cette, 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 cette kimoko, cette koziri. Et aujourd'hui, je suis avec euh, Mouta Lukayazu qui est un longi du Bukongo nganga longi nganga longi de la de la tradition kongo du Bukongo et donc euh, là il va nous euh, dire il va aborder un aspect du Bukongo qui euh, nous interloque Monsieur Moutalukayazu mm. Moutalukayazu mais dites-moi je, je vous vois tel que vous êtes habillé mm -hmm. Vous avez le Raffia, mm -hmm. vous avez le balai, mm -hmm. vous avez le Lacano, mm -hmm. et tout ça, ça sert à quoi Le Royaume Congo n'existe plus. Euh, les, les 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 Kimbangu, c'est juste des personnages historiques. Aujourd'hui, quand tu vas au Congo, euh, je ne sais même pas si on sait c'est qui Kimbangu. Bref, le combat n'est-il pas perdu Ne croyez-vous pas que Actuellement, il serait peut-être mieux d'aller vers l'avant, d'embrasser le monde entier, de, 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 de laisser un peu cette affaire, ces affaires de tradition, de Kimbango, de, de, de Bukongo, pour se mettre résolument dans la voie de la, la modernité, en euh, symbiose avec le monde entier, avec l'univers, avec l'Occident. Avec... Pourquoi Croyez-vous pas que c'est déjà perdu le combat hmm. Est-ce que.

donc, j'explique un peu en ça qu'on appelle le kikomboso. Hein? Ça un te ballet. confond avec. Oui, on le voit, c'est un ballet. Oui. Mais oui. en... lorsqu'on rentre dans les fonctions spirituelles, ça devient kikomboso. D'accord. Ou mourangu, ça t'appelle kane. Ou tu peux appeler ça Mukawa. Mais quand on veut parler le sens spirituel et mystique. Mmh. L'histoire. Mmh. Les ancêtres congolais disent que là où habitait l'eau, l'humidité mmh. ne manque jamais. Mmh. Quel que soit le temps, il reste en sorte que là, il y avait là, soit un lac ou un fleuve. Ça se sent. L'histoire, lorsqu'elle était liée, son raci a été enracinée dans vos veines de façon mystique, naturelle et surnaturelle, Des générations en génération on sentira toujours les bris. Sans l'histoire, la France serait rien. De toute façon, quand vous enlevez l'histoire, vous enlevez tout ce qui représente l'histoire au à l'ouvre. Qu'est-ce qui restera de l'ouvre? Mm -hmm. le c'est-à-dire que si vous oubliez vos ancêtres, vos ancêtres vont vous oublier. Voilà pourquoi nous, on continue à perpétuer toujours cette tradition du Boukongo. Congo. Mais Muta, tu me dis, il n'y a pas de combat perdu. Une culture ne meurt jamais. Moi, quand je parle avec mes parents au Congo, je ne parle pas du français, je ne parle pas la langue française, je parle Congo. Ça veut dire qu'à travers la langue que j'utilise, que plusieurs personnes, le Kikongo, mm -hmm. c'est le symbole du royaume Congo. Mm -hmm. Quand je, en refusant, en rejetant le côté du christianisme, en travaillant dans la spiritualité, la haute spiritualité Congo, mm -hmm. Bukongo, je réhabilite spirituellement le royaume Congo, dont je ne suis pas le seul à le faire. C'est tout mm -hmm. simplement oui, on est en rond dispersé, ce qui fait que c'est un peu difficile de le faire. Mais les longues distances commencent par le premier pas devant ta maison. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiés Ngunza, du Congo dans la branche Kingunza. Ils sont nombreux. Mm -hmm. Ce qu'il nous reste à faire, c'est juste qu faut qu'on ait l'amour, qu'on avance, parce que Justement. faut dire le problème c'est quoi? Chez nous, noirs ou africains, c'est qu'on n'a pas d'amour. On est en rond dispersé. dispersé. Or, depuis l'école primaire, nous, on apprenait l'union fait la force. force. Mais nous, nous ne sommes pas unis. Même quand on est entre nous noirs, on n'est pas unis. Posez-vous des questions. Comment les Antillais, par exemple, les ultramarins, je ne sais pas comment on les appelle, mm -hmm. pensent-ils des mm -hmm. Africains parce que être noir... L'opinion qu'ils ont des mais bien des, sûr, des africains, les, on, on dirait même ouais. peut-être qu'ils ont même honte de nous. Ouais, c'est vrai qu'il y, y, y a un peu... C est, c est ils sont il un peu rancunés, hein, il nous, ils nous taxent en disant que nous, on les a vendus chez les blancs. Mm -hmm. Mais attends, bah, nous, on n'a pas vendu des gens. C'est ce qui se dit, oui. On n'a pas vendu, nous, on n'a pas ouvert un marché d'esclaves, je ne sais pas comment. Non, 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 mm -hmm. non, non, non. non, non. Mm -hmm. Ça, c'est un autre débat, on pourra en débattre plus tard, oui, c'est vrai. Voyez, c'est Mais mm les -hmm Outre-Marais, par exemple, ils vont vous dire que, ouais, nous repartons à nos origines. Mais quand tu t'appelles Georges, tu t'appelles Laurent, tu t'appelles Marie Mario, Marie José, mm -hmm. comment tu peux dire que retour aux origines Avec ces dons. avec avec les, les symboles du colonisateur, le... ou plutôt de l'esclavagiste, du maître. Du maître. Moi j'appelle ça les symboles du coup de fouet. Mm -hmm. C'est comme si tu portais encore en toi, comme une femme portait en elle le nom d'un violeur, ou son fils portait encore le nom d'un violeur. Qui a violé sa mère, mmh, mmh. dont il est le fils, moi j'aurais commencé par là, et deuxièmement, j'aurais commencé à aller d'abord en Afrique. Parce qu'une culture ne se vit pas par procuration. Donc ce qui nous manque, nous, c'est l'amour. Est-ce que nous-mêmes, Africains, on s'aime ouais, La question se pose. Quand vous avez des Africains qui se dépigmentent, qui enlèvent cette peau tous les jours, mais comment voulez-vous qu'on gagne le combat Lorsque tu es du Mali. Ouais musulman ça veut dire que tu as en toi le poids spirituellement parlant de cet homme qui a brisé qui a tué tes ancêtres, ancêtres. et pas que le malien c'est tout ah euh, oui c'est euh, toute l'afrique sûr, voilà. mais de bien sûr euh, voilà, c'est ces oui. ça en fait la réalité ça veut dire que si nous voulons être libres commençons par détruire les symboles qui font que l'autre soit toujours notre dieu en parlant de l'autre, vous faites allusion aux Occidentaux. Aux Occidentaux, à, aux à leur culture aussi. Au Mundélé, au Toubab. Mais ceci ne veut pas dire qu'on ne va pas parler la langue française. Non. Pour le moment, comme on n'a pas une langue commune en Afrique, moi je suis obligé de parler en français avec le Camerounais, le Gabonais, jusqu'à la, la preuve du contraire. Mm -hmm. Et ça ne veut pas dire aussi que même si nous avons notre langue commune, nous n'allons pas parler les autres langues. Non. Parce que nous, le Congo, on a toujours un sens de vertu, pour ne pas dire les Africains. Mais le problème, le combat de réhabilitation, c'est pas de retour des objets d'art, c'est un bon combat. Par exemple, là, Dakar, ils sont en train de le faire. Mais mm -hmm. commençons déjà par construire déjà des musées, ça, c'est déjà un premier pas. Mm -hmm. Et commençons aussi par qu'on s'aime nous-mêmes. Parce que si on ne s'aime pas, on a beau dire au oh, retour au oh, sort. Oui, individuellement, chacun peut le faire. Mm -hmm. Un entier peut prendre son avion, aller au royaume congolais, au congo, royaume au congo le patrimoine. Mais ce n'est pas ça qu'on On n'a a pas besoin des individualités. Mm -hmm. Par exemple, le combat des chemises se bat sur le franc CFA. Mais Vous avez vu les Ouattara en train de dire non, c'est pas euh, en gardant le français CFA. Gardons le franc CFA Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et ça veut dire que ces êtres-là peuvent être un frein au développement, au réveil de l'homme africain, de l'homme noir. Donc, il faut que nos enfants, nos frères, qui sont en Amérique, moi, ça me plaît quand je vois par exemple les Américains qui, qui, qui quittent les États-Unis pour aller s'installer au Ghana. Mais oui, okay. mais les Africains, les Noirs. Mmh. faisant partie de l'univers francophone devait faire pareil parce oui. que c'est facile d'être euh, aux Antilles d'être en Guadeloupe c'est dire que nous repartons chez les ancêtres nous repartons je veux dire repars comment tu n'as jamais été en Afrique comment tu connais tes ancêtres oui tu connais tu entends parler mmh. mais quand tu marches sur une terre africaine tu marches dans la terre des vibrations ancestrales c'est à dire des vibrations de nos ancêtres c'est ça en fait parce que L'amour, c'est la clé de tout. Mais l'amour ancestr... l'amour ancestral ne se dit pas seulement. Il faut prouver, comme on dit un peu dans cette parole qui est remplie du plagiat et du conte les légende. J'adore bien ce, ce recueil de conte et qui est la Bible. Mm -hmm. Une fois sans œuvre est une fois morte. Pour moi, un amour qui n'a pas de preuve n'est que discours. Ah oui! Mm -hmm. Quand j'ai décidé, moi, dans ma vie, oui. de donner place à la tradition Congo, j'en ai dépensé de l'argent pour me former. J'en ai dépensé de l'argent et même j'ai refusé de donner des prénoms qu'on appelle prénoms catholiques à mes filles. Tu les as vus Tout à fait. Voilà. voilà. Elles ont mais, des prénoms. Mais bien sûr. Typiquement, authentiquement Congo. 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 Voilà. Retour aux sources. Mais toi, ton enfant vient de naître s'appelle Marie. Retour aux sources. Mm -hmm. Toi tu t'appelles José. Mm -hmm. Mais tu mens à ta conscience. Tu mens pas à notre tradition. Tu mens pas à nos ancêtres. Tu mens à toi-même. Et justement, c'est là le hic, le, 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 le problème de cette, de, de la renaissance ou de la réhabilitation du Boukongo et pas que du Bukongo, parce que si l'on parle du Bukongo, c'est le fait que c'est le fait que vous soyez Congo, oui. c'est la culture que vous, la tradition, mm -hmm. la spiritualité que vous maîtrisez à la perfection, mais sinon cela peut aussi être euh, on peut le considérer sur l'Afrique tout entière, mm -hmm. le peuple noir dans toutes les pays, dans tout, tous les peuples. Mm -hmm. On a, La réalité est que l'homme africain, l'homme noir, a, 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 a rejeté ce, ce qu'il a, ce qu a, qu a de, 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 de plus intrinsèque en lui, c'est-à-dire sa culture, sa spiritualité, sa religion, sa jusqu'à ce que l'on trouve que chez les Congos, lorsqu'on parle du kindoki, dès qu'on entend le mot kindoki, eh c'est la panique totale. Lorsqu'on entend le mot Kundu, on dit Ah, il y a un dit Kundu, il y a un dit Kundu. Ben ça, c'est la panique. Ça veut dire que Kundu, c'est mauvais, c'est tout ce qui est mauvais, diabolique. Alors que Muta, si vous pouvez nous dire, parce que c'est là le problème. On a tellement été, on a subi un lavage de cerveau. Mm. Hein, on raisonne comme des petits blancs, mm -hmm. et tout ce qui nous appartient, tout ce qui nous est, qui nous est vraiment, qui, qui est dans notre tradition, mm -hmm. on le rejette. Ça, oui. c'est mauvais, c'est diabolique, c'est satanique, oui. c'est des fétiches. Donc, c'est là le problème. Mais vous avez fort à faire. Hein. Peut-être que vous avez pu faire quelque chose individuellement, mm -hmm. mais collectivement, ce travail lambouta, c'est là le problème. La collectivité, le peuple. L'homme blanc. Oui n'est pas plus intelligent que l'homme noir. Vous ne pouvez pas dire l'occidental n'est pas plus intelligent que l'africain. Seulement qu'il a un sens d'observation dans lequel il met beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire qu'il t'observe, il sait comment t'anéantir. Mm -hmm. L'homme blanc a étudié notre langue. Par là, ça lui a permis de modifier et de mettre les, la valeur ancestrale congo à sa sauce. Qu'il a remplacé avec beaucoup de naïveté. Effectivement, beaucoup de par Congo... Parlons de ça, je crois qu'on peut illustrer. Euh, là, on a mm -hmm. deux tomes, deux, deux tomes volumes de, dic de dictionnaires dictionnaire euh, qui, qui français, Congo. mais écrit par un Un blanc, un, blanc, un français, un certain monsieur K.E. Lamane. Laman. Donc, ça fait plus de 1276 pages, pages, quelque oui. chose comme ça. Donc, euh, dictionnaire, vous voyez, c'est deux volumes. Hein? Ça pèse lourd, hein, écrit par un français, <laughs> alors que ce pas sa langue. Alors, Mbouta, mm -hmm. je, je vais rectifier. Dire écrit par un français, non. Ah. Ça ah dit oui, que oui. le blanc, il a écouté, il a transcrit, ça dit il a déposé sur du papier. Ah, parce que c'est pas sa langue. Effectivement, Justement. quand le blanc, par exemple, il est venu avec des interprètes, mm -hmm. parce que déjà à cette époque-là, les blancs sont des dents, mm -hmm. tout, 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 tout. à fait. C'est comme moi, en France, par exemple, je donne un exemple simple, un adage plutôt. Mm -hmm. quand je, parce que je travaille dans la restauration. Et puis un jour, mon chef me dit, euh, prends les basilics, le, le, Zou, prends les basilics. Baséliques Basilique? ?» Moi, tu ça m'amener mené « saint Anne. Saint Anne. Baséliques, <laughs> Baséliques. Et... » comment mettre <laughs> tout un édifice Voilà, euh, je dis mais non, comment Non, non, non euh, mais, après, me dit mais je, dis, mais, mais je voyais, mais je voyais mais beaucoup de pas. feuilles. Il euh, y avait, tout, tout. je savais ça, c'est ciboule, c'est le même mot que dis, mais savais je je savais pas. Savais pas ouais. Je dis mais chef, je ne vois pas ça. Le chef dit, est venu, mais c'est ça que je te demandais. Ah, ah, donc de... ma chez nous on dit ça manzoulou. 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 Mettez-le droit manzoulou. Mouloumpoutou dit mm basilique. -hmm. Voilà. Ça veut dire que les manzulu en français, basilique. Mm -hmm. Qui s'écrit différemment de la basilique, ça B-A-S-I-L-I-C. -S eh oui basilic. Tu vois, ah, et donc si je pouvais créer un dictionnaire de l'art culinaire, j'allais mettre ba bas basilique. En qui quand' je mettrais manzoulou. Manzoulou. Ça ne veut pas dire que moi, j'ai écrit la langue des la blancs. Langue non, de blanc. j'ai transcrit seulement. Voilà. Donc, c'est là qu'il a voilà. fait une transcription. Voilà, donc le blanc, mmh. il a écouté les noirs. Par exemple, mmh. quand il avait un oiseau, il a dit Comment ça s'appelle dans le votre oiseau. langue Nouni. Le blanc, il, est il, prend, et il, il Nouni. Nouni. Prends, De ce côté, on peut le remercier. Mmh. Hein? Parce que ça nous a permis d'avoir un dictionnaire de Kikongo. Mmh. Mais en fait, j'en ai, 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 euh, ai parlé mmh. parce que vous avez évoqué le fait que le blanc. Il a l'observation, il apprend. Oui. Il, vous app il apprend la langue, il apprend la culture pour, pour... mieux vous connaître et mieux vous, vous Bien dominer. Sûr. Il faut dire donc, la vérité. Donc, euh, voilà. Parce que tu ça. ne peux pas te dominer. Quelqu'un dont tu ne connais même pas ses ah, faiblesses et sa faible, puissance. Mm -hmm. Après, il faut dire aussi, il fait, ce pas tous les blancs qui ont cet esprit. Non, cet non, esprit non, non, non. Oui. Juste, non, non. Tu non. ne hein? généralises pas. Hein? Voilà, voilà, parce que tous les Français, tous les blancs, tous les belges ne sont pas descendants d'Adolf Hitler. Mm -hmm. hein? Tout à fait. Voilà, mm -hmm. même euh, les frères le... d'Adolf Hitler, s'il y en avait, tous ils n'avaient pas les mêmes pensées. Tout à fait. Hein? C'est comme il y a des mauvais chez les blancs et des mauvais chez les, chez les noirs. noirs. Ça dépend sur qui tu tombes. Par exemple, pour moi, ce blanc-là nous a rendu service. Il faut ouais. se dire la vérité. Ouais. Mais le blanc qui est venu nous mettre les chaînes ne nous a pas rendu service. Lorsque mm -hmm. je dis mon frère... Je comprends très bien, oui. Donc. Donc notre tradition n'est pas morte. Non. Mais par contre, ce que nous manquons, nous, pour réhabiliter cette énergie... Non, on ne va pas réhabiliter ça, c'est pour donner encore euh, de l'énergie. Il faut que les gens, qu'ils apprennent. Et quand ils se font initiés, qu'ils aillent vraiment pas seulement rapidement chercher des miracles mais qu'ils apprennent la langue. D'abord. Mmh. La langue d'abord. Mmh. Qui malheureusement n'est pas enseignée ah, dans sûr. nos écoles. Bien. Malheureusement. Voilà. Par On exemple, la langue du avoir... la Congo. OK. La langue du Congo dans mon pays, là où je suis né, parce que moi je suis un Congo-Congolais. Je suis un mmh. Congophone. Je ne suis pas suis un francophone. Mmh. Non, 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 non. non. Ah, ça aussi, il faut... Euh, je, il suis faut seulement, je, suis, je suis seulement un usager de la langue, langue française. française.

donc je parle qui congophone. Qui congo que je parle. Kikongo. Dans l'univers de qui congophone. Qui mm -hmm. congophonie. Voilà. voilà. Kicongophonie, kikongo ma Tu vois? Okay. Maintenant, dans le son d'ouverture, je suis un usager de la langue française. Français. Ouais. D'accord. Oui. Et donc, donc, nous devons apprendre. Parce que pour citer Victor Hugo, Victor Hugo dit apprendre c'est construire. Donc nous devons apprendre, nous devons nous approprier, réapproprier, c'est-à-dire de la même manière que certains sont appropriés, réappropriés la langue française. Français, hein? nous, nous devons nous réapproprier, c'est-à-dire que cette langue-là nous récoloniser dans notre propre culture, parce que nombre ne connaissent pas.